Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, likez ma vidéo, partagez ma vidéo et abonnez-vous. Même si vous ne m'envoyez pas l'argent, vous savez que j'aime l'argent, mais au moins likez ma vidéo. Ça va vraiment déjà votre amour. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer l'importance d'écrire ce que vous désirez sur le papier. Même si tu n'es pas parti à l'école, fais l'effort, tu écris ce que tu veux sur le papier. C'est très puissant. Dans la méthode que je t'ai que je vais vous montrer, ça va attirer l'abondance vers vous, ça va attirer l'argent. Ça va attirer les portes qui seront ouvertes ou encore la faveur. Il y en a parmi vous, c'est comme s'il y a le masque sur ton visage. On ne t'aime pas. Chaque fois, on te refuse les choses. Wow, ceci, cela. Et parfois, vous savez, peut-être vos parents ne connaissent pas, ils ne vous ont pas montré. Ce qu'ils vous montrent là, apprenez. Une dame m'a dit l'autre jour que wow, sa mère, que la mère, c'est elle-même qui enseigne encore sa mère. Et faites attention aux parents qui disent que je connais déjà tout ça. Tu connaissais, tu ne m'as pas montré pourquoi. Ok? Parce qu'ils vont vouloir vous bloquer, que je connais déjà, n'écoute pas ce qu'elle dit. Si vous écoutez, ça correspond à votre cœur. Fait. Voilà. Donc, vous allez vous mener souvent, oh, je veux la stabilité, tu veux quoi? Quand vous demandez quelque chose, prenez du temps avant de venir dire que voilà, même les consultations, quand vous, avant de venir en consultation, lavez-vous d'abord avec le sel, écrivez ce que vous voulez avant de venir me voir. Donc, quand tu t'assois, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Je veux l'âme. L'âme, c'est quoi? Combien? Quand? 23 millions de francs CFA. Pour... Tu écris ce que tu vas faire avec. À quelle date? Ok. Ne vous attardez pas trop sur les mauvaises énergies. Genre, oui, il faut que mon patron me rembourse l'argent qui m'avait pris. Je reçois la somme de 5 millions de francs CFA que monsieur Tel me doit. Il n'a pas la paix tant qu'il ne me remet pas mon argent. Stop. Je dépose. Je reçois quoi? J'ai déjà déposé mes applications ou bien mon business. Je viens de lancer mon business qui puisse prospérer. Je reçois les fonds de mon fonds de commerce. J'ai écrit ici. Soyez spécifique. Si vous faites ce que je vous dis ici, et vous écoutez ma vidéo aussi tous les jours, vous allez voir qu'au bout de 30 jours, vos désirs auront changé. Achetez même un cahier de 300 pages. 300 pages avec un recto verso 300 pages. Donc, aujourd'hui, tu écris la date, tu écris le désir. Demain, tu tournes. Date, désir. Après, tu vois qu'au bout de 15 jours, tes désirs auront changé. Parce que tu vas voir que ça évolue. Avant, je demandais 100 000. Maintenant, ils sont en train de demander 10 millions. 15 jours plus tard. Vous comprenez un peu, non? Et ces désirs-ci, le don, vous connaissez, non? Le soc, le jube, là, le jube qui pique là. Vous devez utiliser ça pour lire. Ce qui fait que même si on te va à minuit, tu dois connaître ce que tu veux. Que, oui, il me faut 15 millions pour faire ça là-bas. Oui. Vous devez connaître ce que vous voulez. Il faut que j'écris tout ce que je veux. Vous prenez encore quoi? Les huiles essentielles. Mais papier, tu peux laver encore comment non? Vous prenez les huiles essentielles. Voilà. Mettez votre nom sur le papier. Vous prenez l'huile essentielle. Vous tapez juste peut-être à trois endroits différents. Ok? L'huile du romarin, c'est super. La cannelle aussi. Romarin cannelle. C'est la chimamelure. Voilà. Si vous savez que si vous... Voilà, c'est ça. C'est déjà prêt. C'est comme le chat de maman Mani. Bon. Vous mettez comme ça et puis vous déposez. Ça dépend de ce que vous avez demandé dessus. Tu peux déposer en bas de la bougie. Tu peux déposer dans un bocal avec, dans lequel tu mets du romarin. Tu mets aussi de la cannelle et du sel. Ça signifie l'abondance. Le sel signifie l'abondance. Romarin, abondance. Tu mets dans un bocal et tu fermes. Ou dans un carton, vous avez souvent les beaux petits cartons, coffrets comme ça. Tu mets dans un beau petit coffret, tu déposes là-dedans. Et tous les 2-3 jours, tu passes un peu là-bas, tu secoues un peu. Tu dis que Jocelyne reçoit ton argent, Jocelyne reçoit ton argent. Et quand tu parles comme ça, là, tu mets les intentions dessus. Parce que si vous ne vous bénissez pas, qui va vous bénir? Les gens sont égoïstes. À ton avis, tu crois que qui te bénit? Les 365 derniers jours là, tu crois que qui s'est levé là, dit que Jocelyne reçoit ton argent, reçoit ton abondance? Toi-même, tu vas faire le travail de ta propre vie. Voilà. Donc, vous mettez ces huiles là-dessus et puis vous déposez. Et ces intentions doivent être lues avant de faire votre lavage. Vous allez vous retrouver parfois en une journée, vous allez lire vos intentions 4 fois. Tu fais avec un don le matin. Tu lis avant de te laver. Après, tu, le soir, peut-être, quand tu es en train de te parfumer, peut-être pour dormir, tu relis encore tes intentions. Tu vas voir que 3-4 fois par jour, tu mets encore la bougie le soir, tu es encore en train de lire tes intentions. Ça va s'ancrer dans ton esprit. Tu vas commencer à accepter ce que toi-même tu désires. Voilà. Donc, j'ai partagé avec vous
une astuce qui peut vous permettre d'attirer n'importe quoi, de manifester n'importe quoi, en écrivant sur le papier. Et puis quand vous écrivez sur le papier, c'est le subconscient enregistre. Et votre esprit se débarrasse des mauvaises idées. Les trucs qui vous encombrent dans la tête là. Tu sais ce que tu veux? Oui, je sais, c'est où? C'est dans ma tête, non? Chaque personne qui est venue me voir avec Panda, vous connaissez que je vous ai dit, à ce moment-là, tu écris. Voilà, une maman, elle est en train d'attendre pour écrire sa part. Tu écris. Une fois que tu écris, là, maintenant, tu as envie de voir. Et quand tu écris, si quelqu'un veut prier pour toi, ou bien pendant le lavage, parfois je lis ça. Parce que parfois, quand tu es devant le lavage, on dit que dis ce que tu veux. C'est comme si tout dans ta tête est parti. Alors que quand il y a ton papier, on peut dire, ok, elle reçoit ses 15 millions pour meubler son truc là-bas. Elle reçoit ses 50 millions pour faire ça là-bas. Elle reçoit ses... Et vous habituez aux grandes sommes. 50 millions, c'est plus une grande somme. C'est un petit argent de poche là. Ok? Voilà. Partagez ma vidéo, likez la vidéo s'il vous plaît. Et puis, dites-moi si vous avez fait ça et comment est-ce que ça s'est manifesté. Parce que je sais que ça marche. Voilà. Merci.